l'épisode 7 de Summer Batch, le dernier. On a mis du temps, mais ça y est, on le commence enfin. Il y a des complications, mais c'est parti. On a envie de l'avancer bien. Donc bon, là, il y a le petit gun, on est à la nord. Il y a un gros swell qui est arrivé. Donc là, bon, il y a un bon petit 2m50. Super clean, il y a des bonnes vagues. Donc on va essayer de choper quelques bouts et voir comment ça se passe. Et je pense qu'on va se gaver pendant quelques jours. Donc c'est un peu endless summer, là, parce que c'est plus trop Summer Batch, il caille de ouf. Mais c'est parti, quoi. C'est all, hein. On kiffe the good vibe. Bien. Yeah. Regarde là, regarde là. Oh, ouais, la droite. Oh là là. Merci. T'as un Harley là. Alors, Sancho derrière en jet. Oh, il se gave. Putain, il était fat ce set en vrai. Ouais. Putain, il y a des bonnes droites. Hein. Ouais. On va dire le bossu gros avec ton chino. What's up, we're back for summer. Parle pas trop, t'es un vlogger toi-même. Ok, donc là ça y est, on vient de se changer. Vraiment trop froid, mais ça le fait. Et là que c'est on, il y a quelques gros sets. Les boys sont chauds, donc on a eu le petit gilet, on a le gun, on a la combi. Les boys sont chauds, il y a les vagues. It's on. Ah là, Dieu, it's on. Surf à la nord, ça fait longtemps que je n'avais pas surfé, donc c'est quelques jours je crois, 5 jours. Donc ça fait du bien de se remettre à l'eau. Et ouais, c'est cool, hein. Premier jour confinement aussi, on profite. Hein. Non, en vrai, nous on est légal, on a une dérogation comme c'est notre sport, donc c'est cool. Mais plutôt pas mal la petite session à la nord, et là on va changer, se reposer un peu et enchaîner sur la gravière. Cet après-midi, on peut avoir des vagues ou les prochains jours ça va être pumping. Donc maintenant là, on va raccourcir la planche, prendre la petite 6-0 et se mettre des barrels au bord. Ok, donc là, petit check au cul nu. Donc ce matin, il y avait carrément des bonnes vagues. Et là, cet après-midi, il y a encore des bonnes vagues. Donc on repart à l'eau. Enfin, je repars à l'eau. Je crois qu'il y a quelques gars à l'eau. Enfin, il y a du monde à l'eau, mais j'ai quelques potes à l'eau. Donc on va voir comment ça se passe. Mais carrément des bombes. Donc bonne petite journée à la maison. On continue à se mettre des barrels, on profite. Et let's go, quoi. C'est parti. Girl, you fool. Look it up like a dog. Ok, du coup, bah là, je viens de voir un
7 de ouf. Il y a carrément des bombes en fait. Donc là carrément chaud, un peu fatigué de ce matin, mais on continue, on va prendre de la forme. Et bah, c'est la boucherie hein. Bah go hein, on va essayer de trouver quelques bombes et se mettre des bombes à rêve et ça rentre quoi. Allez. Session de ouf encore à la maison, des vagues de dingue, c'était incroyable. Par contre le summer vibe il a complètement disparu, là il fait beaucoup trop froid, je suis gelé. Mais bon, c'était magique, à la maison on a kiffé avec les boys et franchement ce soir on se gave et c'est grave quoi. Et maintenant bah go rentrer à la maison, se reposer et peut-être rendez-vous bientôt à la gravière demain ou dans quelques jours à la gravière pour une bonne session encore. Allez. Celle-là était grave, elle est belle. Celle-là était grave. Hein. Ouais. Ah, voilà, je vais pas dire à tes regrets. Soit je vais faire une session fiasco, soit je vais me gaver pendant 3 heures ou 2 heures. Tu vois. Le mec à Cabreton, frère, moi j'habite à Haussegor. Mais Cabreton, ça fait chier, moi, d'aller à Cabreton. Ça me fait chier d'aller à Cabreton et que ça soit pumping à la gravière, quoi. Mais mettez-vous là, là où il y a le gars. Moi je me fous aussi. Mettez-vous là, là où il y a le gars. Perds du temps, mec. Mais va checker, du coup. Allez. Ok, ça y est, on est changé, on est prêt. La gravière, là, il y a quelques bonnes. Il y a moyen qu'il y ait des bombes après, donc on va aller voir si on trouve tout ça. Essayer de choper quelques bombes avec les potes et c'est on quoi. Let's go. Oh là là, regarde la droite là. Il y a vraiment quelques bombes. Là. Première bombe de la journée. Oh, il y a bon danger quoi. On. Bonne session à la maison, c'était dingo, un peu compliqué à avoir les bonnes mais c'était ouf quoi, hein. Des vagues de ouf, tes potes,
sunset de dingue, la maison c'est parfait quoi, c'est beau. Donc ouais, bah, j'espère que je vous aurai fait un peu surfer à travers le vlog malgré le confinement. Moi j'ai de la chance, comme je suis surfeur pro et tout, j'ai réussi à passer avec les dérogations, mais bon ça reste compliqué. Donc ouais, la sortie du vlog aussi, elle a été un peu décalée parce que j'ai eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu pas mal de bordel depuis 2-3 semaines, mais j'avais vraiment envie de finir le vlog et faire le dernier épisode, donc j'ai réussi à le faire et j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 7 épisodes vous avez préféré. Et voilà, bah, fin de Summer Vibes. J'espère que vous avez kiffé le vlog et peut-être on verra Summer Vibes 2.0 l'année prochaine. Au revoir.